quoi nous mesurons nos mètres? Et surtout, comment les hommes mesuraient avant? Au Moyen-Âge, par exemple. Ici, on est dans la capsule. C'est ici que je vais vous donner des explications. J'enverrai parfois mon envoyé très spécial sur le terrain. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Nous mesurons en mètres, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le plus vieil instrument de mesure gradué que nous avons retrouvé est la coudée de Nippur. Nous l'avons retrouvée en Mésopotamie, actuel Irak. Sur cet instrument de mesure, il y a plusieurs mesures dont je vais vous en citer deux. La coudée, trop grande pour ma coudée, et le pied. Là, je vous dois des explications. Les anciens utilisaient des mesures basées sur le corps. Par exemple, le pouce, la paume, la palme, l'empan, le pied et la coudée. Par la suite, les peuples de la Méditerranée, l'Égypte, la Grèce et l'Empire romain se mettent à utiliser ces unités de mesure basées sur le corps. En France, au Moyen-Âge, on utilisait de nombreuses unités de mesure héritées de l'Antiquité. Voilà mon envoyé très spécial à Marin. Tu crois que tu es arrivé dans le trop Moyen-Âge? Je suis arrivé au Moyen-Âge. Pourquoi tu penses qu'il est très chaud? Bonjour, Pierre. Je viens de recevoir des poutres et des pieds que j'avais commandés, mais elles sont trop courtes. T'imagines, notre vendeur ne veut pas avoir la même longueur de pied. À moins que ça l'arrange de nous donner des poutres trop courtes. Heureusement que sur le chantier, nous utilisons tous la même longueur de pied. Alors, je n'ai même pas su. Maître Hilaire et Maître Jacques sont bien embêtés. Voici le pied d'Anselme, voici mon pied. Voici la coudée d'Anselme, voici ma coudée. Nous pouvons constater que le pied et la coudée d'Anselme sont plus petits que mon pied et ma coudée. Pendant les chantiers, on ne pouvait pas mesurer directement avec son pied ou sa coudée. Pour se mettre d'accord, ils imposaient la mesure d'un pied sur une région ou sur un chantier qu'ils reprenaient sur un bâton qui s'appelle une pige. En France, au Moyen-Âge, il y a des multitudes de pieds différents. Le pied romain de 29,6 cm que les Romains avaient imposé sur tout leur empire. Le pied du roi que Charlemagne avait imposé, mais il y a une multitude d'autres pieds. On vous en a montré quelques-uns sur cette carte. Le plus grand pied est le pied de Bordeaux qui a 35,7 cm. Et les plus petits sont les pieds d'Avignon à 27 cm et le plus petit, celui de Monaco à 23,4 cm. Ce n'est pas très pratique. Rien que sur le chantier de l'abbaye de Cluny, nous avons constaté trois pieds différents. Passons à la suite. Voilà. Ceci est une pige. Il sert à tout mesurer. Le pouce, le paume, la palme, l'empan, le pied, la coudée. Est-ce qu'on peut tout mesurer avec ça? Oui, mais il y a aussi le bateau que tu as mesure à peu près la taille d'un homme. On appelle ça une toise. On peut aussi mesurer avec une corde à 13 mètres. Entre deux nœuds, il y a une coudée. On peut mesurer, mais aussi faire un angle droit. Comment faire un angle droit avec une corde? Je vais te montrer. Et on voit, Maître Hilaire m'a dit que c'est génial, car un pied, ça fait 12 pouces. Plus pratique, c'est à voir. Il est évidemment plus commode
d'avoir un multiplicateur pour passer d'une unité à l'autre. Là, il s'agit de passer de 12 pouces à 1 pied. Essayons de diviser 10. 10, on peut le diviser par 2, ça fait des paquets de 5. On peut aussi le diviser par 5, ça fait des paquets de 2. Passons à 12 maintenant. 12, on peut le diviser par 2, ça fait des paquets de 6. On peut aussi le diviser par 3, ça fait des paquets de 4. Après, on peut le diviser par 4, ça fait des paquets de 3. Et par 6, ça fait des paquets de 2. Nous pouvons constater que c'est beaucoup plus facile de diviser 12 que 10. Bon, ils aimaient bien diviser par 12. En plus de la pige, il y a la corde à 13 nœuds que Maître Jacques a présentée à Amarin. Grâce à cette corde, Maître Jacques nous a montré qu'on pouvait faire des angles. Dans la partie sur la révolution, nous retrouverons un rapport entre les angles et l'angle. Nous avons remarqué que ce n'était pas pratique d'avoir des mesures qui variaient d'un endroit à l'autre. Des hommes, au XVIIIe siècle, n'ont plus voulu utiliser des mesures fondées sur le corps humain, mais sur la nature. Ils n'ont plus voulu prendre les mesures d'un homme, mais de la terre en elle-même. C'est ce que nous allons voir avec les savants de la Révolution, Delambre et Méchain. Bonjour, citoyen. Bonjour. Le siècle prend des géodésistes. Je viens ici, je suis Alban, citoyen de l'ombre. J'aimerais mieux comprendre ce que vous faites. Avec mon collègue, nous essayons de chercher la distance de Dunkerque à Barcelone. Mais pourquoi? Parce que... À partir de ça, on connaîtra le méridien. Plus tard, le 10 millionième du quart du méridien, on l'espère bien, mon collègue et moi, sera appelé le... Maître. Quoi? Le maître? Je suis pas sûre que nous avons tous compris ce que nous a dit le citoyen de l'ombre. Les hommes du XVIIIe siècle ne voulaient plus des mesures fondées sur le corps, ni sur le temps, mais sur la terre, comme je vous l'ai expliqué. Ils se sont vite mis d'accord sur le nom, le maître, hérité de metrum, qui veut dire mesure en grec. Après, ils se sont mis d'accord pour que le mètre soit un 10 millionième du quart du méridien terrestre. Mais pour calculer le méridien qui à cette époque-là faisait tout le tour de la Terre, il leur fallait une mesure intermédiaire de Dunkerque à Barcelone. Pouvez-vous vous en dire davantage sur votre expédition? Ah, notre expédition, ça a été toute une aventure. Par exemple, l'Académie des sciences qu'ils nous avaient envoyée a été dissoute. Ils sont arrivés en haut d'un sommet d'une montagne et ça a été la grosse tempête. Nous avons été en prison et la révolution, c'était vraiment très très dur. Pourquoi combien de temps? La révolution? Oh, votre expédition? La mission... Ça a duré 7 ans, enfin on est dessus depuis 7 ans. Nous avons utilisé cet instrument. Pour recalculer cette distance, nous avons utilisé des triangles et qu'une seule distance de 6 km. Pour le reste, c'était que des angles. Regarde. Dunkerque, à Paris, jusqu'à Barcelone. Cette grande ligne, c'est le méridien. Nous voilà revenus sur nos histoires de longueur, d'angle et de triangle. Sur un triangle, il y a 6 mesures, 3 angles et 3 longueurs. Pour connaître les 6 mesures d'un triangle, il faut en connaître 3, dont une longueur. Je vais vous l'expliquer. Ah, Madame Nivert? Oui? Cela est le programme du collège? Ah, d'accord, j'arrête. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus. Mais pourtant, c'est la base de la triangulation qu'utilisaient les géodésistes pour faire des cartes
avant qu'on ait le GPS. Pour mesurer, ils avaient besoin d'angles. Et pour mesurer ces angles, ils utilisaient le cercle répétiteur de Borda. Il y a deux longues-vues qui peuvent viser deux points pour calculer un angle. C'est ce qu'ont utilisé Delambre et Méchant pour mesurer la distance de Dunkerque à Barcelone grâce à une centaine de triangles et une seule mesure de longueur de Lieusaint à Melun d'à peu près 10 km. A partir de là, on a eu le mètre. Il a encore fallu le promulguer et c'est devenu la mesure universelle de longueur. Et là, vous vous rendez compte que les gars, ils ont fait une erreur de 0,2 mm. Le mètre, il n'est pas exactement égal au 10 millionième du quart du méridien. Donc, les savants ont trouvé une nouvelle définition au mètre grâce à la vitesse de la lumière. Et les gars du 18e siècle, ils doivent se retourner dans leur tombe parce que c'est encore une histoire de temps. Bonus, en plus, le mètre a permis d'uniformiser les mesures de masse et de volume. 1 litre est égal à 1 décimètre cube et 1 décimètre cube d'eau à 4 degrés est égal à 1. Quoi ? Combien de pouces fait mon écran ? Alors là, j'abandonne.